qu'ils osent explorer, qu'ils osent y aller et de se faire confiance. C'est un dispositif qui est à destination de jeunes migrants, donc des mineurs, ceux qui sont arrivés de manière isolée en France, seuls. C'est un public qui a été très peu scolarisé, voire pas du tout. Ils sont là dans le but de progresser, aussi bien à l'écrit, à l'oral, et par le biais de la connaissance des métiers du bâtiment aussi. On les mettre le plus possible à niveau pour intégrer un CAP ensuite. Donc arriver en gros à faire arriver à un niveau de collège. Il n'y a pas que les maths, il n'y a pas que le français, il n'y a pas que la géographie, l'histoire ou l'éducation civique, on va dire. Il y a aussi pouvoir faire participer à un atelier musique avec deux intervenants extérieurs, voire aussi d'autres personnes. Donc je pense que ça, c'est important. On n'est pas là pour les convertir à devenir musicien ou artiste, ou c'est pas le but, mais par contre, si on peut leur donner des notions de partage aussi entre eux, de travail collectif. Je voulais découvrir une autre danse, une autre chose dans ma vie. Là, c'est plutôt aller vers un objectif où ils peuvent apprendre à exprimer leurs émotions et se présenter autrement, différemment. Je crois que ça les aide un petit peu à s'exprimer autrement que la parole. Je crois que c'est ça le but hein, aussi. Oui, il y a du théâtre. Ouais. Non, c'est cool, mais du coup, parfois, il faut faire des trucs pour oublier les stress, tu vois. Il faut savoir aussi que pendant la semaine, ils ont des séances en atelier pratique. Donc, ça peut être atelier maçonnerie, peinture, électricité. Voilà, ils touchent un petit peu aux différents métiers. Et puis, il y a quand même aussi une mission importante qui est l'insertion professionnelle. Petit à petit, les entreprises connaissent la prépa apprentissage et petit à petit, ils y portent un certain intérêt en se disant ben pourquoi pas, pourquoi je ne prendrais pas aussi des jeunes qui sont dans des situations peut-être plus compliquées mais qui finalement sont motivés, qui viennent travailler le matin, qui s'élèvent, qui m'écoutent, qui sont là à poser des questions, qui veulent apprendre, et finalement c'est pourquoi pas. Puisque leur but final c'est de trouver un contrat d'apprentissage, un patron, pour après pouvoir travailler et rester chez nous en France.